Let's go! Et bonjour à tous, c'est Boufan pour un nouveau let's play. Et oui, vous l'aviez attendu, Super Mario Star Road. Enfin, je sais pas si c'est ça que vous attendiez, mais... Mais voilà, vous avez voté. C'est SMSR qui a été le plus voté. Donc c'est parti pour Mario Star Road. Tant pis pour les autres, nous avions Animal Crossing. Bon, ça va faire un let's play bizarre, mais c'est pas grave. Et nous avions aussi Pokémon version... Cristal. Et aussi un dernier jeu, mais celui-là je le spoilerai pas, parce qu'il apparaîtra sûrement sur la chaîne. Hey Mario, c'est super de te voir à nouveau, mais j'ai des mauvaises nouvelles. Bowser a appris le secret pour accrocher les esprits étoiles, et il a mis la base là-bas. Le gros problème, c'est qu'il a maintenant accès à toute la Star Road, et ça va faire la fin du royaume champignon. Il est en train de les user pour faire venir ses troupes. Et mettre du chaos partout. Mario, si tu es là, à l'aide. Il faut que tu montes à la Starlip Tower pour battre Bowser. Mais il a bloqué les portes, le vilain. Et du coup, bienvenue dans ce nouveau let's play, et oui. Et voilà, j'ai déjà fait le premier dégât après 1 minute 22. Et du coup, je sais pas pourquoi je suis allé dans ce niveau, j'aurais pas dû y aller en fait. C'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce jeu? Bah, je l'ai bien apprécié quand je l'ai fait la première fois. J'apprécie plutôt bien ce hack aussi, il est pas trop difficile. Bon, on peut dire que c'est un problème, mais je préfère dire que c'est plutôt un bon avantage. Surtout que la caméra est assez capricieuse. Mais voilà, j'apprécie ce hack. Parce qu'il y avait un autre hack dans la liste. Si vous savez lequel hack je veux parler, qui était dans le vote, dites-le. Bon, du coup, ça serait du spoil, mais c'est pas grave. Dites-moi ce que vous pensez. Allez, Mario. Aïe. Oui, j'ai mal alors que je n'ai pas mal. Oh purée, j'ai peur. Et du coup, bah ce hack, il est sympa. Mais pas avec moi. Allez Mario. Oui, du coup ce hack, il est sympa, mais... Bon, ça vaut... Faut pas dire du mal du hack. Ça vaut pas un original quand même, parce que ben comme tout hack, y a quelques petits problèmes. Voilà, comme ça par exemple. Non, mais je veux pas passer toute une vidéo sur une petite étoile. Bon, ok. J'en ai marre. On va faire une autre. Enfin bref, voilà. C'est un petit hack sympa. J'ai pas de tendance beaucoup à jouer à des hacks parce que... Bah... Voilà. Je suis pas très fan des hacks. Ça veut pas dire que j'y joue pas... Mais voilà, ils ont tendance à vite me lasser. Mais j'avoue que ce jeu, il m'avait bien plu, parce qu'il restait dans la veine, dans la veine des Super Mario 64. Voilà, de quoi être assez content. Et justement, j'ai découvert un autre hack qui était assez sympa. Bien qu'il était assez difficile, l'autre, par contre. Donc d'un côté, je suis assez content que vous l'ayez pas pris, parce que... En plus, je le connaissais pas tellement, donc... voilà. Bon, la flamme, tu veux bien me laisser tranquille. J'ai un bloc à pousser. Et du coup, j'espère que ça vous plaira. Parce que désormais, il y aura plus qu'un seul let's play à la fois sur la chaîne. Voilà, je sais pas si ça va vous plaire, mais bon. Voilà. Comme vous avez pu le voir, normalement, si vous regardez assez souvent la chaîne, en contrepartie, je fais un peu plus d'avis du jeu. Et il y a Mamibou qui fait ses avis du manga, donc la chaîne vit encore, voilà. Mais c'est juste qu'en ce moment, en plus, j'ai pas tellement le... Oh, ouais, tu as trouvé une étoile, il en faut 7. Mais j'ai pas envie de continuer ce niveau parce que je l'aime pas. Non, ça c'est mentir. Bon, du coup, comme dit, je joue de nouveau sur émulateur. Oh, c'est pas bien, faut pas jouer sur émulateur. Console pour la vie.
Mais bon, moi j'ai pas de console virtuelle sur la... Bah je peux pas mettre de console virtuelle sur sur les consoles de jeu, donc voilà. Bah je fais avec ce que j'ai. Voilà, c'est-à-dire bah, l'émulateur. Oui, il y a des problèmes de texture et des choses comme ça, et c'est pas très sympa, surtout si les textures sont importantes. Bonjour. Non. J'ai pas perdu de vie. J'ai la tête dure. Et en fait, du coup, je crois que c'est la première fois qu'on voit Mario, en fait. Donc, bonjour Mario, tu es enfin dans un premier let's play. Il était temps. C'est vrai, parce que d'abord, il y a eu Harmony, et puis il y a eu Peach. Et après, dans Mario Party, je t'ai pas beaucoup utilisé non plus. Voire même pas du tout. Voilà, j'étais méchant avec Mario. On est méchant avec Mario. C'est trop méchant. Bon, de toute façon... Non. J'ai tellement d'émotions dans la voix, c'est... J'arrive à transmettre le fait que j'ai peur alors que c'est pas vrai. Bonjour. Le plombier qui a défait... le roi King, Womp. Mais tu n'es pas de taille pour un roi. Il n'était pas de taille pour un roi. C'est juste une pierre qui dormait. Bon, ne pense pas, mais... J'ai rien contre toi, mais je vais être ton nouvel ennemi. Bon, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. C'est comment qu'on fait ça? Non, c'est ça, c'est la caméra. Ok, il m'a détruit. C'est pas sympa. Mais non, je veux faire la technique cheatée. Oh, purée. Waouh. Eh, je me souviens pas que t'étais aussi cheaté, toi. Mais non, mais t'as pas le droit. Oh, purée. Oh bah, il m'a détruit. Oh, j'ai disparu. Je me suis téléporté. Ah, Mario, t'es beaucoup plus faible que Harmony, hein. Mais bon, oui, je crois que j'ai pas fini ce que j'avais dit. De toute façon, Mario, c'est pas tellement un héros que j'aime bien. Quoi? Tu joues à des jeux Mario et pourtant tu n'aimes pas Mario, mais c'est pas normal. Non, mais j'y peux rien, j'ai tendance à pas beaucoup aimer les héros, de toute façon. Clan des méchants pour toujours. Ou clan des personnages secondaires. Voilà, coucou Harmony, coucou Boo, coucou Birdo, coucou Yuga. Voilà, parce que Yuga, il est enfin sorti dans Hyrule Warrior. J'attendais pas tellement de ce DLC, mais j'avoue que j'étais assez content. Ouais, je l'ai eu. Autant la vie... La Vio, merci. C'est pas sympa. Moi, j'aime pas la Vio, parle de Yuga. Bah, t'inquiète pas. Autant j'attendais pas grand-chose de ces DLC. Autant j'étais assez content, parce que... Bah, Yuga, il est super sympa à jouer. Et la Vio, bah, il était sympa. Bon, par contre, la Vio a beaucoup de failles. Où il peut se prendre des dégâts. C'est un peu dommage, voilà, bon. Et au final, j'avais presque hésité à faire un avis du jeu sur... Bah, sur les personnages de... De Hyrule Warrior, mais... En DLC, mais... Bon, je me dis, c'est pas tellement... Je suis pas tellement bon pour décrire ça. Mais bon, si je peux donner quand même mon avis... Marine, j'apprécie beaucoup. Voilà. Même si j'avoue que c'est pas quand même la plus efficace. Zelda Cartoon, j'aime bien le fait qu'ils aient pas utilisé Zelda. Voilà, aussi étonnant que ça puisse être. Ça aurait été triste si ça aurait été Zelda. Juste encore une énième Zelda avec une rapière ou quelque chose comme ça. Je suis quand même content. Et elle est sympa, peut-être un peu lourdeau, mais elle est sympa. Ensuite, il y a... Bah, il y a Yuga, que j'apprécie beaucoup. Et qui est assez efficace, je trouve. Il y a aussi la Vio, du coup. Bon, sympa. Voilà. Même si j'apprécie pas les masques de lapin. Oh, t'as pris du poids, monsieur le roi Bobombe. Monsieur, mais c'était ma femme, elle me faisait trop de gâteaux. Les cookies, c'est trop bon, je peux pas résister. Et du coup, il y a aussi... Il y a aussi Medoli. Bon, Medoli, elle est un peu bizarre.
C'est pas qu'elle est mauvaise, mais c'est pas non plus la plus efficace. Elle est rigolote à jouer. Mais elle a quelques failles quand elle finit ses combos. Ok. Au revoir. Non ! Plongeons ! Ensuite, il y a qui ? Il y a Linkle. Linkle, c'est un personnage que j'arrive pas à cerner. Elle a l'air efficace, mais j'ai l'impression qu'elle fait pas tellement de dégâts et qu'elle... Quoi ? Bonjour. Je suis tombé du ciel. Et j'ai pas mal. Ok. Je veux un ballon Goomba. Ah mais c'est vrai, mais dans Mario Slam Basketball, je peux avoir un ballon Goomba. Jouer à Mario Slam Basketball, il est cool ce jeu. Et il faut pas que je parle des autres jeux parce que le jeu il aime pas ça. Oui, du coup aussi, Linkle c'est un personnage que j'ai un peu de mal à cerner. Notamment les arbalètes. Je croyais que les arbalètes elles allaient avoir une distance de fou et tout ça. Et au final elles font pas tellement de distance. Du coup c'était un peu... voilà, c'était un peu la déception. Les bottes, je pense pas grand chose des bottes. Ensuite, il y a Tetra. J'ai joué. J'ai pas apprécié le gameplay. Et je l'ai pas retouché. Voilà. Bonjour. Oh, encore toi? Mais c'est pas possible. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi observer le paysage. Ok. Tiens, mange. Ah, il a récupéré toute sa vie, ok. Ah, d'accord. C'est pas sympa, monsieur. Non, m'attrape pas. Ensuite, il y avait qui? Il y avait le roi d'Hyrule. Le roi d'Hyrule, j'aime bien le jouer. Bon, il a aussi, je pense, des failles de gameplay, mais... mais voilà. Ensuite, il y a qui? Il y a Link Cartoon. Bon, bah, c'est Link, hein. Avec l'épée, c'est Link. Je suis désolé, mais même s'il a des spécificités, ça reste quand même Link. Et avec la baguette des sables, ben c'est rigolo le train, mais le train il est sensible au coup, donc ça fait que... Oh, are you using... Oh, c'est fou, je me rappelle pas qu'il y avait tellement de dialogues. Ah là là, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Bon bah moi je vais continuer là-bas parce que là-bas c'était sympa. Voilà, je suis en train de faire complètement les niveaux dans n'importe quel ordre. Je suis où? Non, je suis coincé dans le pot, non. Au secours. Au secours. Merci. Mais voilà. Oui, du coup, comme dit... voilà, voilà, le train il est sensible au coup, donc c'est pas vraiment pratique vu que le train il est assez gros en plus. Non, t'as pas le droit. Et ensuite il y a qui aussi? Il y a Skull Kid. Skull Kid je l'apprécie beaucoup, mais j'arrivais pas à avoir son arme, donc c'était un peu triste. Oui, là ça sert à rien. Donc au final, bah, les DLC, je suis quand même assez content. Parce que plus j'ai deux personnages dans Hyrule Warrior, mieux c'est. Eh, mais comment ça se fait que tu... Comment ça se fait qu'il se relève aussi vite? Et pourquoi toi t'as pop dans le mur? Il est pas normal ce jeu. C'est pas comme ça que je m'en souviens. Il ment. Mais non, je suis de nouveau bloqué dans le pot. Bah d'ailleurs, je crois que je vais arrêter la partie là parce que ça sert à rien. Donc acheter les DLC d'Hyrule Warrior, ils sont cool. Malgré qu'il n'y a pas les maps supplémentaires, mais vu que j'ai pas fini les... Même la map de Master Quest n'est pas fini, donc j'ai encore de quoi faire. Mais on se retrouvera pour la prochaine fois, pour la suite de Hyrule Warrior. Et d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine, et j'espère que ce let's play vous plaira. Au revoir.